Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont le monde change à un rythme de plus en plus rapide? Cela parce qu'il se passe quelque chose qui va bien au-delà des nouvelles que nous voyons chaque jour. La vérité est que nous vivons des temps prophétiques, et à partir de maintenant, les signes qui indiquent le retour de Jésus seront encore plus puissants et auront un impact direct sur nos vies. Pour vous donner une idée, l'année 2024 touche à sa fin et un événement très étrange a récemment eu lieu à l'ONU qui pourrait être lié à l'émergence de l'Antéchrist dans le monde. Je vais vous expliquer cela dans un instant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 prophéties apocalyptiques qui doivent s'accomplir en 2025. Nous verrons que la parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux, mais malheureusement, peu de gens le réalisent. Et à la fin, je donnerai mon avis sur tout ce qui se passe et apporterai un message d'espoir pour votre vie. Mais avant de révéler quelles sont ces 5 prophéties, j'aimerais vraiment que vous vous abonniez à ma chaîne, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour, d'accord? Il vous suffit de cliquer sur le bouton « s'abonner » et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, allons-y. Il y a quelques jours, le monde a été témoin de l'approbation de ce qui est appelé le Pacte pour l'avenir, un accord global proposé par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour unir les pays autour d'intérêts communs, tels que la paix mondiale, la durabilité et l'égalité entre les peuples. Et si nous jetons un coup d'œil rapide à ce pacte, il semble être quelque chose de bon pour l'humanité. Après tout, des millions de personnes meurent chaque année à cause de la faim, de la misère, des guerres et des injustices. De plus, les changements climatiques causés par l'homme mènent la planète vers un chaos sans précédent. Mais mes frères, remarquez que l'objectif de ce pacte est également d'augmenter le contrôle sur le monde entier et d'unir toutes les nations comme si elles n'en faisaient qu'une, les plaçant sous des règles qui pourraient transformer à jamais notre manière de vivre. C'est pourquoi de nombreux théologiens croient que ce pacte pour l'avenir de l'ONU n'est rien d'autre que la préparation à l'arrivée de l'Antéchrist dans le monde, qui, dans un premier temps, offrira paix et sécurité avant de rompre l'alliance et d'apporter le mal comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Mais ceux qui pensent que cela s'arrête là se trompent. En 2025, les signes prophétiques sur la fin des temps non seulement continueront, mais augmenteront également. Passons aux 5 principales prophéties pour cette année qui indiquent le retour de Jésus. La première prophétie, traduction de la Bible dans toutes les langues. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus a dit que l'évangile du royaume serait prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Et si cela dépend d'un projet ambitieux d'une organisation chrétienne dédiée à traduire la Bible dans toutes les langues du monde, cela pourrait se réaliser très bientôt. Les Wycliffe Bible Translators veulent achever le projet Vision en traduisant les Écritures saintes dans toutes les langues et dialectes existants sur Terre d'ici la fin de 2025. L'organisation collabore pour traduire les Écritures dans des langues qui n'ont pas encore accès à la Bible dans leur langue. La mission de Wycliffe est motivée par le désir de rendre l'Évangile accessible à tous, en répondant à l'appel de Matthieu 28, verset 19, qui dit que nous devons faire des disciples dans toutes les nations. Depuis sa fondation en 1942, l'organisation et ses partenaires ont réussi à traduire des parties de la Bible dans des centaines de langues différentes. Et grâce aux avancées technologiques et à l'intelligence artificielle, qui offre des outils qui accélèrent la traduction et la révision de textes, Wycliffe parvient à produire le Nouveau Testament dans plus de 1800 langues et dialectes. N'est-ce pas merveilleux? De plus, l'organisation a également formé des traducteurs de ces régions, veillant à ce que la culture et l'identité de ces peuples soient respectées sans altérer le message central de la Bible, qui est Jésus comme Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Ce travail a permis aux gens de lire et de comprendre les Écritures dans la langue dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise, créant ainsi un lien plus personnel avec la parole de Dieu, surtout en ces temps où le monde a besoin d'espoir face à tant de crises et de conflits. Frères, la prophétie de Jésus dans Matthieu chapitre 14 ne parle pas exactement de la manière dont l'Évangile du royaume serait prêché à toutes les nations du monde, mais il est certain que la traduction dans toutes les langues d'ici 2025 permet à la parole d'atteindre directement les gens, ce que beaucoup considèrent comme un prérequis au retour de Jésus.
La deuxième prophétie, l'augmentation des conflits au Moyen-Orient. Dans les chapitres 38 et 39 du livre qui porte son nom, Ézéchiel prophétise une bataille apocalyptique qui impliquera une alliance de nations qui attaquera Israël, dirigée par Gog du pays de Magog. Alors Dieu intervient, protégeant Israël et détruisant les forces ennemies, entraînant une restauration spirituelle pour son peuple. Actuellement, il existe une tension énorme au Moyen-Orient. Des nations voisines d'Israël, comme l'Iran et la Syrie, s'allient à de grandes puissances comme la Russie pour attaquer ce pays. Et il semblerait que cette alliance devienne encore plus forte à l'avenir, puisque Israël a répondu avec beaucoup de force aux attaques qu'il subit de la part de ses ennemis. Ce possible conflit avec des alliances politiques et militaires d'États ennemis d'Israël est perçu par beaucoup comme le début de la prophétie de Gog et Magog. Mais mes frères, il est important de préciser ici que la prophétie de Gog et Magog ne se réalisera pas maintenant, mais pendant la grande tribulation, c'est-à-dire pendant le règne de l'Antéchrist sur terre. Cette bataille devrait avoir lieu comme événement final dans les derniers jours, lorsque le monde connaîtra déjà la colère de Dieu avec des persécutions intenses et des catastrophes mondiales que nous pouvons trouver dans plusieurs passages de l'Apocalypse. Cependant, mes frères, l'augmentation de cette tension au Moyen-Orient peut effectivement être vue comme un type de répétition pour ce qui est à venir prochainement. Beaucoup des alignements géopolitiques que nous observons aujourd'hui peuvent être une forme de préparation pour que la prophétie d'Ézéchiel devienne un jour réalité. Avant de passer à la prochaine prophétie, il est important de préciser que les batailles de Gog et Magog et d'Armageddon ne sont pas la même chose. La bataille d'Armageddon, que vous pouvez trouver dans Apocalypse 16, verset 16, représente le combat final entre les forces du bien et l'Antéchrist avant le retour de Jésus. La Bible raconte que le Christ apparaîtra dans le ciel avec ses anges, tuera les deux bêtes et vaincra Satan. La bataille de Gog et Magog, en revanche, aura lieu auparavant, pendant la grande tribulation, et servira à révéler la protection de Dieu en faveur d'Israël, amenant son peuple à revenir aux voies du Seigneur. La troisième prophétie, l'émergence d'un nouvel ordre mondial. L'idée d'un nouvel ordre mondial est liée à l'émergence d'un gouvernement global centralisé qui unifie le pouvoir politique, économique et financier sous une autorité centrale. Et cette théorie est connectée à la marque de la bête que nous trouvons dans Apocalypse 13, qui dit que personne ne pourra acheter ou vendre sans cette marque qui sera imposée par l'Antéchrist. Et bien que cette prophétie ne s'accomplisse que pendant la période de la tribulation, il est très probable que l'année 2025 marque le début de ce nouvel ordre à travers la mondialisation des monnaies numériques, connues sous le nom de crypto-monnaie, qui pourrait commencer à éliminer complètement l'argent physique tel que nous le connaissons, facilitant ainsi la surveillance des transactions financières dans le monde entier. Alors pourquoi cela pourrait-il commencer dès maintenant? C'est parce qu'une série de politiques financières ont été adoptées récemment. Par exemple, la plupart des grandes banques et fonds d'investissement vont intégrer les crypto-monnaies dans leur portefeuille d'actifs, en créant également leur propre monnaie, facilitant leur acceptation dans différents endroits. De plus, de nombreuses banques centrales des pays ouvrent leurs portes à ces monnaies et encourageront le secteur privé à adopter ce système de transactions, promettant plus de sécurité et de protection. Mais cette protection est-elle vraiment pour notre bien? Avec la création de monnaies numériques, comme le Drex au Brésil, nous nous rapprochons de plus en plus de la fin de l'argent liquide. Cela signifie que la banque centrale pourra contrôler et surveiller chaque centime que vous dépensez, chaque achat, chaque transfert. Tout sera enregistré, supprimant totalement la confidentialité des transactions. Avec le Drex, toute liberté que nous avons d'utiliser notre argent sans être suivi pourrait simplement disparaître. En résumé, mes frères, de nombreux théologiens croient que le renforcement des monnaies numériques et des systèmes de paiement mondialisés est en effet lié à la marque de la bête, car cela permettra de contrôler qui peut et qui ne peut pas acheter. Et qui garantit que cela ne sera pas utilisé par un leader mondial qui ne permettra l'utilisation de cet argent qu'à ceux qui lui ont été fidèles? La quatrième prophétie, l'avancée de l'intelligence artificielle. Dans le chapitre 12 du livre de Daniel, le Seigneur remet les paroles suivantes au prophète concernant ce qui se passera à la fin des temps. Daniel,
ferme avec le sceau les paroles du livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup iront ici et là pour accroître leurs connaissances. Regardez cela, mes frères. Si vous lisez le début de ce chapitre, vous verrez que Daniel prophétise un temps où le monde traversera une grande détresse, mais que l'ange Michel se lèvera et libérera son peuple. En d'autres termes, le passage parle de la période de la grande tribulation. Cependant, ce que nous verrons à partir de 2025 en ce qui concerne l'intelligence artificielle pourrait bien être un autre signe que nous assisterons au début de l'accomplissement d'une autre prophétie apocalyptique. Cela s'explique par une recherche récente de la société de conseil Gartner, qui indique qu'à la fin de 2025, plus de 80% des entreprises auront intégré des solutions d'intelligence artificielle dans leur processus. Ce chiffre montre clairement la croissance rapide de ces technologies, stimulée par le besoin d'optimiser les opérations et d'augmenter l'efficacité. Cela accroîtrait, par exemple, la capacité de surveillance et de contrôle qui pourrait très bien être utilisée pour superviser chaque personne vivant sur Terre, ce qui, pour beaucoup, est lié au scénario décrit dans l'Apocalypse. En fait, les intelligences artificielles sont déjà utilisées dans plusieurs domaines. Dans les systèmes de surveillance, des caméras équipées d'IA peuvent identifier des visages dans des foules, surveiller des comportements et appliquer des sanctions automatiques, comme des amendes, en temps réel. Dans des pays comme la Chine, par exemple, l'IA joue un rôle central dans le système de crédit social, où le comportement des citoyens est surveillé et noté en fonction de leurs actions, promouvant un système qui contrôle absolument tout. Une autre prophétie importante qui pourrait avoir un lien avec l'intelligence artificielle se trouve dans Matthieu chapitre 24, verset 12, où Jésus dit qu'à la fin des temps, l'amour de beaucoup se refroidira. Un exemple actuel de ce phénomène se déroule au Japon, où de nombreuses personnes remplacent les relations humaines par des interactions avec des robots. Il existe de nombreux témoignages de personnes qui préfèrent des partenaires virtuels pour éviter les relations réelles où elles pourraient un jour être déçues. Et cela, mes frères, est très triste, car cela rend les individus plus solitaires et égoïstes, incapables d'aimer leur prochain comme le Christ nous a ordonné de le faire. Et enfin, la cinquième prophétie. Israël comme cible de toutes les nations. La Bible dépeint Israël, en particulier Jérusalem, comme la cible de toutes les nations, car c'est là que le Messie Jésus établira son gouvernement. Des passages de la Bible, comme Ésaïe chapitre 2 et Zacharie chapitre 12, décrivent Jérusalem comme la ville choisie pour l'accomplissement des desseins de Dieu, attirant la colère de toutes les autres nations. Et il semble que c'est ce qui commence à se passer. Comme si les conflits que nous avons vus dans la deuxième prophétie ne suffisaient pas, Israël continue de subir des condamnations internationales et des pressions à l'ONU. Le pays a été durement critiqué au sein de l'Organisation des Nations Unies, simplement pour s'être défendu contre les attaques de ses ennemis, en plus de subir plusieurs sanctions politiques et économiques pour cela. Et la tendance est que cette attaque diplomatique va encore augmenter cette année 2025. Car le mouvement appelé BDS devrait gagner encore plus de puissant soutien. Pour ceux qui ne le savent pas, BDS signifie « boycott », « désinvestissement » et « sanctions » et vise à promouvoir l'isolement économique et culturel d'Israël. Ce mouvement est en grande partie soutenu par des organisations internationales et des mouvements étudiants et exerce des pressions sur les institutions et les entreprises pour qu'elles rompent leurs relations avec le pays. Mais Zacharie 12, verset 3, prophétise que « Dieu fera de Jérusalem une pierre lourde pour toutes les nations, et tous ceux qui essaieront de la soulever seront gravement blessés ». Cela montre que tous ceux qui se retourneront contre le pays et tenteront de lui faire du mal paieront un prix très élevé. Mes frères, ces prophéties pour l'année 2025 et les événements que nous observons autour de nous ne signifient pas que nous avons déjà atteint la fin de tout. Mais, bien que cela puisse sembler effrayant, il existe un message d'espoir que Dieu vous offre aujourd'hui. La Bible nous rappelle qu'à la fin, la victoire n'appartient pas au mal, mais à Jésus-Christ. Il est ressuscité, et il a promis de revenir pour restaurer toutes choses, pour vaincre l'injustice, guérir les blessures et surtout, essuyer les larmes de ceux qui ont persévéré. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, il est dit qu'il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de larmes, ni de douleur, car l'ordre ancien a disparu. Amen. Cela signifie que, malgré les difficultés, nous avons une espérance sûre,
un avenir où l'amour, la justice et la paix de Dieu régneront éternellement. Ainsi, tous ces signes que je vous ai montrés dans la vidéo sont un rappel pour nous de vivre une vie avec un but, en ayant confiance qu'à la fin de tout, Jésus viendra renouveler ce monde et établir un règne de paix et de joie qui n'aura jamais de fin. Alléluia! Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le plus de personnes possible et regardez maintenant sur ma chaîne ces vidéos que j'ai mises ici à l'écran. Je suis sûr qu'elles vous aideront beaucoup dans votre cheminement, d'accord? Que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande accolade.